On était à Val-de-Fontenay, où il n'y avait plus de club. Quand il est venu à l'église, je ne le connaissais pas. Il était assis, vous vous rappelez? Et il a dit, il y a un joueur qui est là, qui est dans la salle, qui se tient debout. Et j'ai commencé à prophétiser sur sa vie. Amen. Ça a commencé à bouger, les petits clubs. Maintenant, il est en plein Paris. Maintenant, je veux qu'on acclame Dieu pour sa vie. Quand Dieu commence une action, il achève toujours. Je suis fier de lui. Amen. Vous savez, dans la maison de Dieu, quand tu es reconnaissant, c'est important. Il y a des joueurs, eux, ils vont chez Marabout. Mais ils sont reconnaissants là-bas. Lui, il vient chez Dieu, il faut qu'il soit reconnaissant. Qui croit en lui? La seule chose que je lui ai dit, il a dit, moi, prophète, je préfère que tu joues pour la France. Parce qu'en France, quand tu joues, il y a retraite. Bonne arrivée. Que Dieu te garde. Donne-moi la main, je vais prier. J'ai foi. Shalom. Opère miracle dans sa vie. Ce que tu as commencé, tu l'achèves. Seigneur, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Car ton ascenseur, Seigneur, il n'y a pas zéro. Ton ascenseur ne descend jamais, ça monte. Quand tu élèves, ça ne descend jamais. Qu'il reste au sommet pour la gloire de ton nom. Shalom, au nom de Jésus. Amen. Je veux qu'on acclame Dieu plus fort. Son père est là, il peut se tenir debout. Tiens-toi debout, papa. Tiens-toi debout. Amen. Je veux qu'on acclame Dieu. Amen. J'ai dit, je vois un drapeau des États-Unis autour de lui, n'est-ce pas? Et que je le vois aller aux États-Unis pour vivre là-bas, pour jouer. Et Dieu va faire beaucoup de choses dans sa vie. Qui se rappelle? Et après, son père m'a confirmé, effectivement, il allait aux États-Unis. Il a eu les pieds qui étaient cassés. C'est comme ça qu'il est revenu. Mais là, il a dit, le prophète maintenant a annoncé qu'il va partir. Et cette fois-ci, ça marchera. Seigneur, je crois en toi. Il retournera, ça marchera pour lui. Rends-le fort et puissant. Merci, parce qu'il est international. Merci, parce qu'il est puissant. Merci, parce qu'il est fort. Je rends gloire en ton nom. Seigneur, la Bible dit, tu ordonnes à ce que nous soyons puissants, parce que toi, tu es tout puissant. Merci, parce que Père, tu le rends puissant dans tous les domaines de sa vie. Seigneur, veille sur lui, garde-le. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Enfonce son nom, s'il vous plaît. Can you love ça? My God. Mathieu, yes. J'ai un sujet de prière. I have a prayer request. Et nous allons prier. We are going to pray pour une nation. For a nation. Après, je vais m'occuper d'eux. And after, I will take nous allons prier pour une nation. We are going to pray for a nation. C'est très urgent. Very urgent. Yeah. Yesterday, j'étais avec un homme politique. I was a political man. Où je lui ai dit ceci. And I said, le mois de septembre. The month of September. J'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire. I saw the flag of Africa. Où j'ai vu le sang. I saw the qui était dans the ce drapeau. In the flag. J'ai vu le drapeau. And I saw the flag. Qui était plongé the dans flag. Le sang. In the blood. Nous allons prier. We are going to pray. Pour le mois de septembre. This month of September. Nous allons demander à Dieu. Ask to the Lord. D'étendre sa main sur la nation. To stretch his hand over the nation. Nous allons demander à Dieu. Ask to the Lord. D'étendre sa main sur la nation. To stretch his hand over the nation. Nous allons demander à Dieu. Ask to the Lord. De libérer ce pays. To set this country free. De manière pacifique. In a pacific dans way. La paix. In a peace et que Dieu épargne. May the Lord les vies des innocents. Nous parlons à Dieu, prions le speak Seigneur. To the Lord and pray for the je veux que tu parles à Dieu, tu pries. Speak to the Lord and speak, je veux pray que for tu parles à Dieu, tu pries. Speak to the Lord and pray for pendant the que j'attends un entretien avec lui. As I was talking with him, je lui ai dit ça de face. Assign me, face to face. Parle à ton Dieu, prie. Speak to your God and pray for parle à ton Dieu, prie. Speak to your God and pray for parle à ton Dieu, prie. Speak to your God and pray for parle à ton Dieu, prie. Ask the Lord, ask parle the Lord. À ton Dieu, prie. Ask the Lord and protect parle à ton Dieu, prie. Ask the Lord, speak to the Lord. Parle à ton Dieu, prie. Speak to the Lord, speak to the Lord. Parle à ton Dieu, prie. Speak to the Lord, may the Lord secure. Parle à ton Dieu, prie. All the entire country. Parle à ton Dieu, prie. Lord, secure the entire country. Je veux que tu parles à Dieu. From south to south, même que tu sois ivoirien ou pas. Whether you are je veux que tu pries à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Pray to the Lord. Demande à Dieu de te sauver. J'ai vu le mois de septembre. Secure the border. J'ai vu le mois de septembre. Lord, we cry unto you. Où j'ai vu le drapeau dans le sang. I saw the flood of the country in the blood. Parle à ton Dieu, prie. I saw the flood. Amen. Amen. Mathieu. Yes. Dieu est en train de me montrer une vision. God is showing me a God is showing me a vision. Je suis dans un pays actuellement anglophone. I'm in an English speaking country. Mais je vois une jeune fille. I see a young lady. En train de traverser la route. Crossing a road. Une voiture qui l'a percuté. I see a car hitting here. C'est que Dieu est en train de me dire. What God is showing me? J'entends un nom. I hear a name. Angela. Angela. Dieu me dit les parents vont pleurer. The father je ne sais pas où cette fille est. I don't know where the lady mais j'entends is. Angela. I hear Angela. Si la personne est concernée, viens. If you are concerned, you come j'entends here. Le nom d'une fille Angela. I hear the name Angela. 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 C'est ce que je suis en train d'entendre. I hear the name Angela. Mathieu. Yes. Je vois la scène devant moi. I see the. C'est une voiture qui l'a percuté. They got a car hitting her. Une voiture qui l'a percuté. I see a car hitting her. Une voiture qui l'a percuté. A car hitting her. Elle partait à l'école. She was going to school. Je vois une voiture qui est rentrée. I see a car. C'était précisément un lundi. What Monday? Précisément un lundi. What Monday? J'ai vu une voiture la percuter. I see a car hitting her.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can you clap for the Lord? Angela, c'est son nom. Angela is her name. Il faut enlever ses chaussures. Remove her shoes. Il n'y a pas d'autre Angela dans la salle. But no other Angela. Je suis prophète, je vais préciser la révélation. I'm a prophet, I can make a precision. Un prophète est un voyant. A prophet is a seer. Un voyant a la capacité. He has the ability de lire au-delà des murs. To see beyond walls. Un voyant a la capacité. A seer has the ability de voir dans le futur. To see the future. Un voyant a la capacité. A seer de prédire l'avenir. To tell the future. Ça va? Are you okay? Elle parle pas français. She speaks English. Traduit. Can you translate for her? The mother will translate for her. C'est ton enfant. It's my daughter. Non, je maudis, ça va pas arriver. I curse, it will not acclamer happen. Acclamez Dieu plus fort. Clap for the Lord. Non, acclamez Dieu plus clap fort. Clap for the Lord, it won't happen. Je vais dire quelque chose. I will say something. Ce lundi là. That Monday. Je vais rentrer dans la vision. I'm going to the vision. When you talk to her, elle fait un peu la tête. She just is a little bit stubborn. When you talk to her, quand tu lui parles, when you talk to her, elle fait un peu la she's tête. A little bit stubborn. Parce qu'elle est dure de caractère. But she has a strong a un character. D'homme. She has a character, a man character. I'll tell you something. En fait, c'est son ange de naissance. It's the angel qui est très fort. Angel. The angel is so qui est très puissant. The angel is so si mighty. Tu remarques, if you cannot depuis qu'elle était tout petite, since we're young, elle fait des choses comme une grande personne. She does things like elle a grown up. Lui apprend les choses. She doesn't want people to teach her. Ou non. Always she said no. Elle est très compliquée. She is so difficult. Mais en fait, ce que je vais te dire, what I'm telling you, elle a une grande destinée. She has a great destiny. Il y a des grandes choses que Dieu va faire dans sa vie. There are great things God will do in her life. Dieu va trop la bénir. God will bless her much. Ce que je vais te dire, what I want to tell you, ne te plains pas. Don't complain. Ou ne t'oppose pas. Don't oppose. Ce que je suis en train de voir, what I'm seeing, elle va épouser. She will marry un homme politique. A political man. Mais il sera un ministre. It will be a minister. Je suis prophète. A prophet. Je suis en train de lire la destinée. Reading the destiny. Ne t'oppose pas. Don't oppose. Elle va changer la vie de votre she famille. Change the life of your la family. La main de Dieu est sur elle. The hand of the Lord is upon her. The character she has. Souvent tu as dit peut-être elle est mal polie. She thinks that she is not polite. Elle pardon ne sort pas dans sa bouche. Forgiveness même quand elle a tort, even she's wrong, elle ne dit pas pardon. She will never say si c'est faux, dis c'est faux. If it is not right, est-ce it qu'on peut rendre gloire à celui can qui est assis, glory to the Lord? Celui qui glory voit dans le futur, future, celui qui a la capacité de prédire des choses. Je veux qu'on acclame Dieu en poussant des cris de joie. Mathieu. Dieu va bénir cette fille. God bless this lady. Dieu va beaucoup l'élever. God will raise her up. Il va la rendre puissante. Make her mighty. Elle sa grossesse. Her pregnancy. Tu as combien d'enfants? How many children you have? 5 enfants. 5. Ok. Tourne ton dos, je vais voir quelque turn chose. Turn your back, I will see something. Retourne. Come back, I will see. Come back, turn back. Elle sa grossesse. Her pregnancy. C'était beaucoup difficile. It was so difficult. Tu as été beaucoup éprouvé. You were in trial. C'est son nom que tu lui as donné. And the name you gave c'est un nom que tu as reçu par révélation. You received through a revelation. Si c'est faux, dis c'est faux. If it's lying, you can qu'est-ce qu'on fait, peuple de Dieu? Mathieu. Yes. Mathieu. Yes. Je suis dans l'avenir actuellement. I'm the future now. Je suis en train de marcher. I'm walking. Je vois même la maison. I see the house now. Dieu. God. Il va bénir cette fille. Bless this lady. Elle a une grâce de Dieu sur elle. She has the grace of the Lord upon her. Peuple de Dieu. People of God. Mettez-vous comme ça. Be like that. On va tendre tous la main vers elle. We are going to strengthen our toute hand. Programmation d'accident. Any programmation of accident. Je peux même te donner le mois. I can give you the month. Ouais. Un prophète c'est un voyant. A prophet is a seer. Ça sera précisément dans le mois d'octobre. It will be a month of October. La troisième semaine. On the third week. Mais ça sera un lundi. It will be a Monday. Dieu est fidèle. God is faithful. Ne pleure pas. Don't cry. Dieu va faire. God will do it. Tu feras un choix. You make a choice. Quand on va éviter l'accident. When we avoid the accident. Mais ça va prendre quelqu'un de la famille. It takes somebody from a family. C'est une femme, elle est plus âgée. A old man. Elle n'a pas de dents. She doesn't have teeth. C'est qui? Non, dans le micro. C'est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Amen. C'est ta maman? Un prophète, c'est un voyant. Il y a des choses que je ne vais pas te dire pour ne pas que tu pleures trop. I will not tell you because for you not mais to cry. Quand on va éviter, when we avoid ça va prendre la personne. It will take the person. Je préfère te dire. I want to tell you. Parce qu'avec Dieu, with God, Dieu il ne blague pas. God cannot lie. Quand quelqu'un tire pour descendre, when somebody puts Dieu il frappe. God hit it. Tu sais de quoi il parle? You know what I'm talking about. Tu sais de quoi on parle? You know what I'm tu talking vois de quoi il parle? You know what I'm talking about. On va tendre la main droite vers elle. Tendez tous la main droite. Stretch your hand. Et nous allons prier. And we are going to pray.
On va commencer à maudire toute programmation d'accident. Tout ce que le diable a prévu. Any evil agenda. Ces choses doivent échouer. All those things have to fail. Que tu parles, tu commences speak à maudire God, tout l'accident. Right pray now, well, pray well, pray for well. Right now, pray for her right pray now. Well. And cancel that agenda or accident in the name of Jesus. Pray well. Cancel it, cancel it by the power of the Holy Ghost. Cancel it by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Cancel it. On va réciter un psaume ensemble. We are going to make a. Nous allons réciter ensemble un psaume. Together. Celui qui repose. Tendez la main droite vers elle. Sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Mon refuge. Ma forteresse. Mon Dieu. En qui je me confie. Que je ne sois point couvert de honte. Que je ne sois point couvert de honte. 1000 à ma droite, 10 000 à mes côtés, je ne suis point atteint. De mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Commence à demander à Dieu qu'elle repose sous sa couverture. Priez pour elle, priez pour elle. Ask the Lord to be. She should be under the shadow of God. Amen. Amen. Vous croyez? Do you believe? Vous croyez que Dieu a fait? Do you believe God has done it? Qui croit? Vous believe it? Dieu va faire. God. Apporte-moi l'huile. Mets la main ici. Put your hand here. Mets la main là. Mets la main ici. Prends le micro. J'ai foi. Aidez-la moi. Go! Longévité à elle. Long life to her. C'est qui Olivia? Who is Olivia? Elle est où? Papa va parler anglais. Olivia, how are you? How are you? On acclame Dieu plus fort. Manifeste-toi pas. Le feu, 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 le feu. Go! Libère! Go! Tu la libères. You set her free. Au nom puissant. The mighty name of Jesus. Tu sais pourquoi je l'ai fait coucher? Do you aimer? C'est comme ça elle va se coucher. It will be like that. J'ai annulé ça. And I cancel it. Amen. Parce que quand elle était couchée, when she was laid down, j'ai vu des gens autour d'elle. I saw people around. C'est comme ça j'ai commencé à lire. And I began to learn. Elle c'est qui? Qui est Jean-Luc? Oui, Jean-Luc. Qui a dit amen fort? Somebody say amen well. Mettez la main là. Put your palm here. J'ai foi. Accomplis ta parole, manifeste tes grâces, tes faveurs. Shalom. Ils vivent longtemps comme tu me l'as dit. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Asseyez-vous. You can have your seat. Merci Seigneur. My God. Mon Dieu. Je vois de l'argent qui est en train de sortir de terre. I see money coming out from the ground. Je vois de l'argent qui sort de terre. I see money coming out from the ground. Dieu restaure tes finances. May the Lord restore your finances. Dieu restaure tes finances. May the Lord restore your finances. Dieu restaure tes finances. May the Lord restore your finances. Dieu restaure tes finances. May the Lord restore your finances. Tu es une femme qui doit faire des affaires. You are a business woman. C'est dans les affaires que l'Éternel va te bénir. It's the business the Lord will bless you. C'est le chemin de ta destinée. That is the way of your destiny. Tu dois faire des affaires. You have to do business. C'est dans ces affaires que tu vas prospérer. That is the business where you prosper. Dieu te bénira dans les affaires. God will bless you in the business. Dieu te bénira. God will bless you in the business. Dieu te bénira dans les affaires. Dieu te bénira dans les affaires. Aidez-la-moi. Il y a une onction qui descend. There is strong anointing coming upon her. Il y a une onction qui descend. A strong anointing coming. Je vois plusieurs drapeaux. I see many flags. De plusieurs pays. From many countries. Sur air. Over air. Tu vas parcourir les nations. You go all around the nations. Une femme d'affaires que Dieu va bénir. The businesswoman. Je vois tu auras même des grands magasins. Je vois des gens qui viendront prendre des choses. I see people coming to bring. Parce que tu vas libérer les affaires. Because Dieu te bénira. Who's free? My God. Mon Dieu, aidez-la-moi. Help her. La puissance de Dieu la restaure. The power of God is restoring her. La puissance de Dieu the la power restaure. Of God is restoring her. Écoute. Listen. Je vois un homme que tu vas rencontrer. I see a man you will meet. My God. Je vois cet homme va te donner tellement de l'argent. He will give you so much.
Mais en fait, c'est quelqu'un comme ça que Dieu t'a envoyé. Is somebody God send you en fait, on your way? Tu as une destinée où tu as rencontré des grandes personnes. You have a destiny you met tu great people. Des personnes importantes. You met great people. Tu as même fait des promesses qu'ils n'ont pas accomplies. They make a promise that you écoute, ce que je suis en train de dire. Je vois l'année prochaine. As in this year, précisément au quatrième mois. On the fourth month, précisément au mois d'avril. On the month of April, je vois un homme que tu vas rencontrer. You meet a man. Je vois c'est précisément un Gabonais, me dit Dieu. He come from Gabon. Tu vas rencontrer cet homme. You meet that man. Ta vie changera. And your life will change. Ta vie changera. Your life will change. Ta vie changera. Your life will change. Tu diras qu'un prophète m'avait you dit. You say a prophet revealed. Tu diras qu'un prophète m'avait you dit. You say a prophet said. Tu diras qu'un prophète m'avait you dit. You say a prophet revealed. Oh my God. Je sais pas. I don't know. Mais j'entends Sylvie. Aya Sylvie, Sylvie. J'entends Sylvie. Aya Sylvie, Sylvie. Tu t'appelles Sylvie? Your name is Sylvie? Tu t'appelles Sylvie. Je suis en train de voir dans un passeport. Aya, il n'est pas si passeport. Je vois, ça sera caché de trop de visas. Il will be got a lot of visas. Dieu va trop la bénir. God will bless her, man. S'il te plaît. Please. Retiens ce que je vais te dire. Notice what I'm saying. Tu es une fille d'étoile. You are a great star. Ne marche pas avec n'importe qui. Don't work with just anybody like that. Ne fais pas n'importe quoi. Don't do just anything. Parce que tout homme. Any man s'approcheront de toi who come near you à cause de ton étoile. Because of your star. Tu es quelqu'un que Dieu va bénir. You, God will bless Dieu you. Dieu te restaure aujourd'hui. May the Lord restore you. Yes. Il y a un prénom, je vois, je n'arrive pas à lire. I see a name, I'm not able to read it. Je vois un nom que je n'arrive pas à lire. I'm not able to read it. Je vois S. I see S. Je vois E. E. Et puis je vois A. Ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? C'est quoi? C'est son nom? Qu'est-ce qu'on fait? Professeur! Un prophète, c'est un! Dieu est beaucoup avec elle. God is with you. Sa copine, c'est ton frère. Lui, il doit prier pour lui pendant 2 semaines. I want to pray for you 2 weeks. Si il prie pour lui pendant 2 semaines, if I pray for you 2 weeks, il va perdre un parent très proche. You will lose somebody closer to you. Parce qu'actuellement, je le vois comme dans un cercueil. Like in a coffin. Cet homme-là, il a trop longue vie. You have long life. Tu es trop avec lui. God is with you. Il fut un temps, il est tombé gravement malade. You fall sick. Où on pensait qu'il allait passer. People think you will pass away. C'est un ressuscité qui est là. You come from c'est un ressuscité. Il est revenu. Je vois le convoi du cercueil. Assis. Mais l'Éternel fera ça, ça va faire 2 minutes. The Lord will change it. Je vais prier pour lui. I'll pray for him. Il va même courir même. He will run even. Dieu est trop avec toi. God is with you. Je vais te dire. I'll tell you. En fait, ton secret là. Your secret. Ce n'est pas la prière. It's not prayer. Toi, ta maison était comme un carrefour. Your house is like tu a as aidé trop de personnes. You are tout le monde mangeait dans ta main. Everybody were eating. Mais aujourd'hui, ça ne va pas trop. Today is not, not les portes se sont fermées. Those are closed. Tu as perdu beaucoup de choses. You lost a lot, many Dieu va te restaurer. God will restore you. Lève les mains. Raise your hand. Regarde-moi seulement. Look at regarde, me. Regarde-moi. Just look at me. Regarde-moi. Maman quitte là. Regarde-moi seulement. Regarde-moi. Pendant que tu me regardes, Dieu est en train de renouveler ton sang. Regarde-moi. Regarde-moi seulement. Regarde-moi. 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 Regarde-moi seulement. La guérison commence à se passer. Dieu te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. God is healing you il now. Te guérit maintenant. He's healing you now. Tu sors du cercueil. Come out from the coffin. Tu sors du cercueil. Come out from the coffin. Tu sors du cercueil. Come out from the coffin now. Il a mis un mauvais passager like a wrong dans sa maison. Un parent à lui qui a tout détruit. A relative in your qui house est venu pour destroyed. Une mission pour l'achever. He came from, he came qui est venu mission. Pour une mission pour le tuer. He came for a mission to kill you. Guéris. Be healed. Mettez-moi une chaise là. Tu ne seras pas paralysé. You will not be crippled. My God. Il faut que je parle. I have to talk with him. Il y a deux choses. Il y a quelque chose que tu dois faire. There are 2 things you have to do. Il faut que je parle avec lui. I have to talk with him.